Bonjour, donc on va voir comment réaliser une inversion complexe. On a déjà vu, enfin je vous ai montré dans d'autres vidéos comment faire cette construction-là à partir d'un cercle. On va utiliser ce même cercle, mais en utilisant une symétrie, ce qui permet d'aller plus vite dans la construction. Donc on part d'un point M dont la fixe est affichée ici. Ensuite, on va réaliser notre cercle de centre O et de rayon 1. Ensuite, on va réaliser une demi-droite OM et par symétrie axiale, donc en utilisant cet outil-là, on va demander la symétrie. Donc l'image de cette demi-droite par la symétrie axiale d'axe axe B réel. En fait, dans le protocole, on va voir que ça se fait en 3 fois, mais vous, ça va se faire en une fois. Donc, voilà, un point. Voilà. Donc vous avez votre symétrie. Ensuite, vous allez réaliser donc le point A par intersection de la demi-droite OM et du cercle de centre O et de rayon 1. Ensuite, sont symétriques, alors soit intersection de la demi-droite avec le cercle ou symétrie axiale, donc étant A1 étant l'image de A par la symétrie axiale d'axe X ou d'axe des réels. Ensuite, on réalise une droite passant par le point M et le point A1. Et en fait, on va faire passer une droite parallèle à cette droite que je viens de construire, mais passant par le point A. Voilà. Et là, on va obtenir l'image du point M par l'inversion complexe, tout simplement en demandant ici l'intersection de la demi-droite avec cette dernière droite qu'on vient de tracer. Donc on obtient le point M prime. Voilà. Donc voilà toute la construction. Donc ça fait beaucoup de choses. Évidemment, les constructions doivent se faire donc au crayon papier finement si vous êtes sur une feuille, mais avec GeoGebra, on peut faire disparaître la construction et conserver donc juste l'image. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je peux la repasser un peu plus rapidement pour résumer ce qu'on a fait. Donc, je rappelle un point M, un cercle de centre 1, ensuite une demi-droite, sans symétrique, ensuite le point A, ensuite le point A1, la droite, ensuite la droite parallèle, et ensuite l'intersection. Voilà, on a l'image. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ciao, ciao!